Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale les gars, et aujourd'hui ça va péter sa mère. La dernière fois, le pack opening, c'était un pack opening de ouf. On avait eu deux coffres en or, deux coffres à couronne, on avait fait les thugs, un truc de ouf. Mais là mon gars, là, mais c'est encore pire. Là ça va être 10 fois mieux. Il y aura pas deux coffres à couronne, il y en aura qu'un seul. Bon, j'avoue que là vous vous dites, mais tu te fous de ma gueule en fait, hein. Comment ça peut être 10 fois mieux s'il y a moins de trucs? Eh ben, tu vas voir pourquoi. C'est parce que, ok, il y a un coffre géant. Mais c'est pas n'importe quel coffre géant. Parce que, heureusement, j'ai été bon la dernière fois. Comment j'ai fait, je sais pas. Mais j'ai été bon la dernière fois, par surprise. Donc, du coup, ça fait que, déjà, j'ai deux coffres gratuits à Arène 5. Qui dit Arène 5, dit peut-être nouvelle troupe. Enfin, pas nouvelle troupe, je crois que... Quoi que si... Ah si, peut-être nouvelle troupe. Eh ouais, voilà. Donc, hein, peut-être maximum de nouvelles troupes. Après, bon, celui-là est arène 4. On s'en fout un peu. Tu vois, le premier coffre est arène 4. Le deuxième est arène 5. Ah ah, intéressant. Peut-être nouvelles troupes. Le troisième est arène 5. Attention, peut-être nouvelles troupes. Et le coffre géant est arène 5, les gars. Mais ouais, c'est ça qui fait plaisir. Peut-être des max de nouvelles troupes. Imagine, je me tape un max de... je sais plus comment il s'appelle, les trucs de feu, là. Esprit de feu et tout, t'imagines? Oh là là, allez c'est parti les gars, on commence avec le coffre gratuit Arène 5. Normalement il a Arène 5, hein, si je me suis pas fait gruger. Voilà donc 51 d'or, 6 canons jusque là, c'est un peu pourri, attention. Une cabane de gobelins, mais ça commence très mal dis donc. Tu vas pas te foutre de ma gueule longtemps, c'est moi qui te le dis. Hein. C'est parti, un deuxième coffre gratuit les gars, 49 d'or, ça fait toujours plaisir. Et attention, 6 esprits de feu les gars, voyez un peu. Non mais je vous l'avais dit, voilà. 6 esprits de feu, ça c'est fait. Allez, y'a quoi d'autre? Une boule de feu, ça on s'en bat les steaks. Alors juste comme ça au passage. Ah putain, on va améliorer le petit esprit de feu. Niveau 4, nickel aube. Nickel chrome, voilà, nickel, ouais. Ok, ça fait plaisir. Voilà donc du coup maintenant. Putain, allez vas-y, il faut que j'arrête de faire de la merde. Du coup maintenant on va ouvrir le coffre arène 4, malheureusement. Mais... ça veut rien dire. Deux hordes de garouilles, ouais, bon, c'est un peu pourri jusque-là. Allez, une épique. Non, je suis pas sûr qu'on puisse avoir des épiques sur ces coffres de merde. Hein. Bon, jusque-là, il me donne que de la merde, j'avoue. À part les esprits de feu, vraiment... c'est de la merde, hein. Vas-y, fais voir, toi, ce que tu me donnes. 41 d'or. Bah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux électrocutions. Bon, bah, s'il y en a qui en veulent, hein, demandez. Voilà, donc, hordes de gargouilles, bon, ça, je... Hein, voilà. Non mais il arrête pas de m'en donner en ce moment, mais j'ai envie de lui foutre des tartes quand il fait ça, parce que j'ai horreur de ces hordes de gargouilles de merde là. Voilà, donc c'est parti, un autre coffre arène 5. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Je sais pas, qu'il va encore y avoir de la merde, parce que bon, apparemment il aime ça. Hein, ah, ouais, ça fait plaisir. Encore des esprits de feu. Et attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah voilà, un chevaucheur de cochon, ça fait plaisir. Mais, attention, on n'a pas terminé, parce que là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit ouvrir le coffre géant, les gars. Alors, jusqu'ici, on a eu que de la merde. Hein, je vous le dis direct, pour moi, c'était de la merde. Hein. Horde de gargouille. Une petite boule de feu au KLM. Bon, c'est de la merde, hein, mais c'est pas très grave. Horde de gargouille. Enfin, bon, oh, il y a un moment, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, tu vois. Tu me casses les couilles, t'es horde de gargouille. Non, tu vois, c'est pour faire du suspense un peu. Alors, déjà, on a 1053 d'or, donc déjà, tu vois, on est bien content. Hein. Et sinon, il y a quoi d'autre? Et bah voilà, ça fait plaisir. Bon, on peut pas l'améliorer, malheureusement. Ah, malheureusement, on peut pas l'améliorer. Hein. Mais ça fait plaisir, ça fait une nouvelle carte. Et ça fait plaisir. Malheureusement, on n'aura pas une deuxième nouvelle carte, parce que j'ai pas eu le succès. Parce qu'il me l'aurait montré. Parce qu'en fait, j'étais à 38 cartes. Si j'aurais gagné deux nouvelles cartes, j'aurais été à 40 cartes. Et du coup, j'aurais eu le succès qu'il m'aurait dit, machin. Enfin bon, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir, attention. Si c'est des hordes de gargouilles, je crois que je te fous une baffe. C'est bien. C'est bien, voilà. Donc là, on a eu 17 sorciers. Ça fait plaisir, parce que sorciers, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Surtout que c'est des rares, en plus. Putain, ouais, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, tu me donnes... je sais pas, des archers ou des squelettes. Allez. Putain, esprit de feu. Ah. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est même encore mieux. Parce que l'esprit de feu, franchement, il y a peut-être un moment où je vais finir par les utiliser. Hein. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Enfin, je les ai vite fait tester niveau 1. Ils étaient plutôt pas mal, donc bon. Bah là, on va s'améliorer les deux là. Ça va faire plaisir, voilà. Non, on a envie de se faire plaisir, nous. Donc on va améliorer les deux là. Hop là. Voilà, ça fait plaisir, donc. Boule de feu, ouais. Ok, nickel. Valkyrie.
Ok putain, ouais, franchement, attends, puissance les gars, puissance. Et franchement, ça fait plaisir. Oh regardez, il nous manque que dalle pour être niveau 8. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo, le niveau 8. On verra ça dans une autre vidéo. Parce que pour l'instant, bah, j'ai pas trop envie de le passer. Voilà, donc du coup, on va se faire des attaques. Pack opening un peu long, mais ça valait le coup. Hein, voilà. Donc du coup, maintenant, on va se faire une ou deux attaques. Et puis après, on ouvrira le coffre à couronne. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Ouais, c'est parti les gars. Malheureusement, tout à l'heure, on a perdu contre un gros connard de merde. Mais vraiment, genre les bons connards, c'est genre les mecs qui te foutent de ta gueule. Mais tout au long du match et tout, tu sais. Ils sont toujours là, te foutent de ta gueule. Voilà, mais ça m'énerve, les mecs là, ils seraient devant moi, ils auraient une grosse baffe, mon gars, ils seraient sur la lune, j'en sais rien, c'est... putain, ça m'énerve, bon allez, c'est parti, on est des fous, on n'en parle plus, on va le défoncer, le mec, tu vois, je le sens bien, tu vois, regarde-moi ça, dès le début, le mec, on le défonce, ça fait toujours plaisir de bien commencer comme ça, bon, il n'y a pas de souci, ce qu'on va faire, on va aussi défoncer lui, parce que bon, c'est un peu important, voilà, donc maximum de dégâts, s'il vous plaît, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... lui défoncer un peu ses, je sais pas comment il s'appelle, les gobelins archers là. Les gobelins lance, voilà. Oh putain, regarde les dégâts qu'on a fait à sa tour principale. Ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va envoyer ça. On va envoyer notre petit sort de rage. Comme ça, en espérant qu'il ait pas de horde de gargouilles. Pourquoi ils ont tous des hordes de gargouilles? C'est un truc de fou. Vas-y, défonce-moi ça. Voilà, ça fait plaisir. Regarde, je vais attendre un petit peu. Et je vais foutre une petite boule de feu. Comme ça. Et boum. Non mais vas-y, c'est quoi cette gargouille de merde qui résiste quoi? Oh mais j'y crois pas. T'as une vieille gargouille qui a résisté à la boule de feu. Ah je te jure des fois. Hein. Ah ouais non mais... Il y a des fois franchement ça fait pitié ce jeu. Bon, hop c'est parti. On envoie les petits squelettes sur le cochon parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me nique ma tour. Voilà. On va envoyer notre petit géant. Le tout avec un sort de rage. S'il vous plaît. On va attendre un petit peu peut-être. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, il a pas l'air d'avoir les gargouilles. Ça fait toujours plaisir. Ah, il les a, mais malheureusement, il va perdre. Non, mais moi, je vous le dis, il va perdre. Regardez-moi ça. J'ai l'habitude, hein. Boum, voilà, il a perdu. Donc, il a le deg. Il a vraiment le démon, hein, étant donné que c'était un niveau 8. Mais ça fait plaisir, voilà, donc encore une coffre d'argent, arène 5, ça fait plaisir. Bon, malheureusement, vu que j'ai perdu un peu de trophée, mais j'ai remonté encore un peu en trophée, donc peut-être qu'on va rester arène 5, on sait jamais. Ce qu'on va faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour attaquer, et puis voilà, et c'est parti. Et c'est parti les gars, bon, malheureusement, on est arène 4, bon, là, on est arène 5, parce que, bon, voilà, c'est de la merde, mais sinon, en vrai, on est arène 4, on est descendu arène 4, parce qu'il y a un gros connard qui a fini ma tour avec un sort de foudre, ou je sais pas trop quoi, donc, ça, c'est les connards de base, tu vois, qui savent pas jouer, donc, c'est obligé de te niquer ta tour avec machin, et donc, forcément, tu perds, voilà, de toute façon, ça a toujours été comme ça sur Clash Royale, ça sera toujours comme ça, Supercell, c'est des fils de pute, hein, là, y a rien à dire, ils veulent pas changer ça, mais y a pas de souci, bah, on les traite de fils de pute. Voilà, non mais les mecs, c'est des connards, ils comprennent pas que ça commence vraiment à vénérer les gens. Enfin, apparemment, les gens, ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Je sais pas. Ça casse les couilles à tout le monde, mais personne s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout, mais ça casse les couilles à tout le monde. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais en attendant, ça me vénère. Parce que moi, à chaque fois, j'augmente d'arène. Et comment je redescends? Eh ben, tout simplement à cause de ça. À chaque fois, hein. À chaque fois, je redescends d'arène à cause de cette connerie de merde. Parce qu'il y a tout le monde qui joue comme ça. Et moi, ça commence vraiment à me saouler, tu vois. Donc, il y a un moment, je sens que je vais péter un plomb sur ce jeu de merde. Je sais pas quoi. Le pire, c'est que tu peux rien faire. C'est ça qui m'énerve en tant que joueur. Tu peux jamais rien faire. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils font toujours qu'à leur tête. Et ils cassent les couilles à tout le monde. Ça commence vraiment à m'énerver. Et c'est ça qui est chiant avec les créateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'achèterai jamais la next-gen. Jamais j'achèterai d'Xbox One ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a que des jeux de merde. Et ils font ça que pour le pognon. Et moi, ça. Non. Je vais pas faire fonctionner le pognon comme ça. Le jour où je prendrai une Xbox One ou quoi que ce soit, c'est qu'on pourra la craquer. Et c'est qu'on pourra avoir les jeux gratuitement. Parce que. En quoi ça mérite d'être payé? Bon, celui-là, il est gratuit, donc heureusement qu'il est gratuit. Hein. Désolé, voilà. Donc, heureusement que le jeu, il est gratuit, hein, parce que sinon, ça serait une foire à conneries. Hein. Il est bien en soi, ce jeu, mais il y a tout qui gâche à cause de ces boules de feu, tout ça, voilà. Donc, il y a des fois, voilà, il y a des fois, on est content, machin, on gagne, tout ça, mais quand c'est des connards qui te niquent la tour, juste avec une boule de feu, ou des trucs comme ça, ou des missiles, ou machin, c'est un truc d'enculé, enfin, c'est pas normal. En quoi c'est normal de...
Enfin bon, voilà quoi. Putain, mais si je décroche, c'est pas... Voilà, non mais franchement, ça... Moi, ça m'énerve ce truc. Donc je tenais à faire passer ce putain de message et arrêter de jouer avec ces putains de boules de merde. Mais je m'en bats les couilles. Voilà, donc du coup, bah, on s'est fait ces trois machins. Donc on a terminé avec un petit dernier gameplay, bon. Ah, je suis re-Arène 5, ça fait plaisir. Voilà, mais j'ai envie de rester Arène 5. Putain. Regardez le mec, il a... Allez, le mec, il avait... Non, c'est pas lui, lui, il jouait pas. Voilà, donc lui, hop là, voilà. Donc hop, un petit sort de foot, boum, il a fini ma tour, le mec. Non, il n'y a pas de souci, tu vois. Il restait 100 et quelques et tout, boum, il a fini ma tour. Alors que j'étais en train de défendre comme c'est pas permis, donc à la limite, il y aurait eu 0, il y aurait eu égalité. Voilà, mais c'est le grand max. Il aurait pas eu le sort de foudre, ça serait mort. Donc franchement, moi, ça m'énerve. Et il y a un moment, faut arrêter les conneries. Bon, voilà. Bon, bah, je suis re-Arène 5, heureusement, mais en attendant, du coup, j'ai un coffre qui est qu'Arène 4. Voilà. Et ça, ça m'énerve. Parce que, il y a des gros connards sur ce jeu. Putain, mais, un minimum de respect pour les autres joueurs, putain, jouer loyalement. Hein, c'est pas loyal de lancer un truc de loin comme ça, là. Putain, soyez loyal, quoi. Faites pas les calofiens. Hein, faites pas les campeurs, je sais pas, moi. Enfin bon, ça m'énerve cette communauté. De toute façon, dans tous les jeux, il y aura toujours des connards qui sont là juste pour... ils sont là comme ça, ils s'en battent les couilles, ils s'amusent, voilà, ils balancent des missiles, machin. Bah c'est cool pour eux, mais en attendant, ça fait chier d'autres personnes. Voilà. Putain. Bon, ça fait du bien en tout cas de gueuler un bon coup, là. Putain, là, ça m'énerve. Voilà. Donc sachez que si vous faites ça, là, eh ben, vous êtes un connard, voilà. Vous faites chier d'autres personnes. Donc pensez-y quand vous le faites, hein. Pensez-y qu'il y en a des fois, eh ben, ça leur fait un peu chier de... Voilà, ils veulent quand même un minimum pouvoir augmenter d'arène, et ils en ont marre de toujours descendre à cause de connards qui balancent des missiles. Pensez-y un peu, hein, voilà. Bon, je pense que vous en avez rien à foutre, dans ce cas, bah, tant mieux pour vous. Au moins, vous vous prenez pas la tête. Ça fait plaisir quand même, les gargouilles, ça fait plaisir. Il faudrait que je les améliore, hein, ces jours. Bon, pour l'instant, je peux pas vraiment. Gobelin, ça fait plaisir. On va essayer d'avoir des... on va essayer d'avoir une épique. On va essayer soit des cochons, soit un mousquetaire, soit une épique. Un petit dragon, par exemple. Ah, on a eu une fournaise. On a eu une fournaise. Ça, ça fait plaisir. Ah, il faut vraiment que je songe à le mettre dans mon deck. Hein. Ah, ça fait quand même 4. Ça fait quand même 4. Hein. C'est quand même assez énorme. C'est vrai que, bon, c'est... c'est hésitant quand même. Pour l'instant, c'est vrai que ça vaut pas trop le coup. On verra ça plus tard. Si j'arrive à rester à Arène 4, ça pourrait être... Arène 5, ça pourrait être pas mal. Mais bon, vu qu'il y a que des connards sur ce jeu, qu'est-ce que je te dise? Enfin, c'est pas des connards, c'est juste qu'ils font chier, tu vois. Ils le savent pas, mais ils font chier. Et puis le pire, c'est qu'il y en a, ils te foutent de ta gueule, tu vois. Tu fais de la merde, t'attaques mal, et ils se foutent de ta... Ça, ça m'énerve. Alors là, mon gars... Enfin bon, on va pas faire durer ça 10 milliards d'années. Déjà qu'il y a eu le pack opening qui a duré je sais pas combien de temps. Les attaques qui ont duré je sais pas combien de temps. Si en plus je commence à gueuler toute la vidéo, ça va pas le faire. Donc voilà, donc je suis désolé d'avoir gueulé un petit coup. Mais il fallait, parce qu'il y en a marre, putain, de ces connards de merde là. Wow. Alors retournez chez vos mères, je sais pas moi. Allez téter le petit sein, comme ça là. Hop, et allez faire chier quoi. Bon voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Désolé pour le petit coup de gueule, bon. J'ai essayé de faire genre doucement, tu vois, genre bon voilà, ils me font chier, gna gna gna, tu vois, j'ai pas gueulé genre vraiment, tu vois, on se calme un peu, tu vois, c'est quand même qu'un jeu, voilà, comme disent les gens. Ça m'énerve ça aussi quand ils disent ça, mais bon, on va le dire quand même. Voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, j'arrête de vous déranger et n'oubliez pas, restez cool. En gros, tout le contraire de ce que je viens de faire quoi. Quoique je suis resté plutôt cool. Bon allez, ciao.